Bon là je viens d'arriver dans les... exactement les fenêtres de l'hôtel. Plutôt classe. Est-ce qu'on n'aime pas ça? Ça j'adore regarder. La marquise en gros de papier toilette. Bref. Et en gros je vais me changer, me préparer vite fait. En faire un avant après. On est mieux là. On est à Paris et il pleut. Et il y a un schéma, typiquement, il y a un schéma de... Voilà. Ah, oui, si ça va, oui, si c'est adapté au... Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que c'est, design? Ah ouais! Ça, c'est de la chambre, hein? Welcome to Paris! Voilà tout le monde, donc oui, bah donc je finis par vous faire un espèce de petit face cam. Il était temps, pourquoi? Parce que tout simplement, le départ ce matin fut compliqué, 5h du mat, levé, le train, et on arrive à Paris, et il pleut, il fait froid, mais ça reste quand même la capitale, donc ça reste quand même assez chouette, assez différent, et c'est vrai que ça fait aussi du bien de se déconnecter de son quotidien, donc... Aujourd'hui, si je vous ai pris avec moi, c'était pour vous montrer un peu que le travail de paysagiste, c'est pas forcément un travail qui est toujours une espèce de communion avec la nature, avec les plantes, mais il y a aussi finalement des rendez-vous, des réunions, des projets qui se discutent pendant des heures autour d'une table ronde, bon, qui est pas souvent ronde d'ailleurs, qui est plus souvent rectangulaire. Et en fait, non, c'est aussi pour montrer cet aspect, parce que j'ai l'impression que beaucoup, dans les commentaires que je reçois, les messages ont tendance un peu à idéaliser le métier de paysagiste comme étant un métier où on fait que dessiner, où on fait que être entouré de plantes, écouter les petits oiseaux chanter dans des super parcelles de... Oups, c'est pas parcelles de jardin en bord de mer. Ce n'est pas forcément le cas. Il y en a aussi, mais ce n'est pas essentiellement le cas. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais aussi revenir sur le métier de paysagiste. Donc, qu'est-ce que c'est d'être paysagiste ? Donc je dirais qu'il y a deux sortes de paysagistes. Il y a le paysagiste, il y en a peut-être même trois. Il y a le paysagiste public, projet public, j'expliquerai. Le paysagiste plus de jardin privé, donc le paysagiste presque jardinier. Et il y a aussi le paysagiste artiste. Voilà. Donc pour développer plus le paysagiste public, donc qui fait des projets publics, c'est un paysagiste qui peut à la fois travailler pour des collectivités, donc au sein d'un service de mairie, si la mairie est assez grande, ou même pour un au niveau départemental, régional, etc. Donc à ce moment-là, c'est plus un paysagiste presque conseiller, voilà, ou qui va donner des orientations et qui va permettre finalement à ce que le paysage ne soit pas dénaturé, ou en tout cas qu'il soit amené dans une direction qui lui sera favorable. C'est un métier qui nous amène aussi à faire à la fois des axes de circulation, comme des pistes cyclables, des boulevards urbains assez importants avec des épaisseurs plantées et des arbustes qui peuvent peut-être border certains pieds d'immeubles. On est aussi amené à faire, bon, j'allais dire des squares, c'est plus parisien comme ça, je vois de square, mais des petits parcs ou des petits jardins publics, petits ou grands d'ailleurs. pardon. On est aussi peut-être amené à travailler sur des projets un petit peu plus importants, de grande envergure, comme le Grand Paris, vous en avez peut-être tous entendu parler. Là aussi, il y a eu beaucoup de paysagistes qui ont travaillé ensemble main dans la main. Voilà, donc je dirais que le paysagiste public, c'est, enfin, qui fait du projet public, qui peut travailler aussi dans des grosses boîtes privées, mais qui, elles aussi, répondent à des appels d'offres et du coup travaillent pour des projets publics, d'utilité publique. Mais c'est un métier, vous voyez, qui vous demande peut-être une appréhension d'AutoCAD plus poussée, qui vous demande de savoir faire des schémas d'intention assez rapides comme ça, à main levée sur des calques, et sur des grandes photos aériennes. Et on a un autre rapport au terrain, à l'espace, et aux plantes aussi, du coup. Je dirais qu'il y a un côté... que l'excitation de la partie plus urbaine a tendance peut-être à enlever un peu la partie plus botanique, quoique. Mais je dirais que c'est vraiment un métier dans le métier. C'est voilà, ce genre d'orientation pour le paysagiste dit public. Après, on a le paysagiste de jardin privé, alors moi j'ai un peu plus d'affect avec ce rôle-là, bien que j'ai toujours touché un petit peu à tout
Dans ma vie professionnelle, alors le paysagiste de jardin privé, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui vient, son filtre personnel, ses sensibilités, son vécu, ses voyages, ses goûts, etc. Bon, entre parenthèses, celui d'avant aussi, ça peut servir, d'accord? Va répondre à une demande, à une attente de la part de clients qui ont un budget donné, des envies ou pas, des rêves, des volontés, des problèmes avec le voisin, etc., de vis-à-vis, et qui vont vouloir qu'on vienne leur apporter un peu de rêve, un peu de solution, beaucoup d'envie. Ils vont vouloir aussi peut-être se réapproprier leur jardin, donc on va du coup inventer ou renforcer certains usages, parce qu'il y en a certains, ils admirent leur jardin, ils le regardent, mais ils n'arrivent pas à y rentrer. Donc c'est quand même assez triste. Donc je dirais que ça, c'est un aspect du métier qui est quand même... on fait quand même pas mal de social, on est à l'écoute, on est dans un dialogue, dans un échange. On fait aussi beaucoup de réunions avec des entrepreneurs. On va dans des pépinières, des foires aux plantes, chez des brocanteurs. Donc vous voyez, au niveau de l'échelle, je dirais qu'il y a quand même quelque chose de différent. On a un rapport au projet qui est vraiment différent. Et après, le paysagiste artiste, bah, écoutez, c'est une personne qui peut à la fois travailler dans le public, dans le privé, mais qui a aussi cette révélation de dire que la nature, c'est pas forcément ce qu'on lui impose sur un plan ou ce que des clients vont vouloir dans un jardin, mais c'est peut-être tout simplement le besoin de s'exprimer, d'exprimer une pensée, d'exprimer une envie, de mettre en scène quelque chose dans la nature. Donc ça peut se traduire via le land art, un sujet que je développerai un peu plus tard dans une autre vidéo, mais aussi par des installations, des expos, des événements. Moi-même, j'ai eu la chance de participer même à des défilés, etc., autour du verre, et c'est vrai que bon, là, la green touch, c'est de plus en plus à la mode, mais je dirais que c'est une vraie en fait symbiose entre la nature et le travail de paysagiste. Le paysagiste qui est un professionnel qui a une sensibilité particulière pour se connecter avec cette nature, pour la comprendre, pour la sublimer. Voilà. Donc écoutez, c'est peut-être un résumé un peu... c'était pour vous présenter, si vous voulez, trois aspects de ce métier. Alors j'ai peut-être pris beaucoup de raccourcis, mais je trouve que c'est une belle mise en bouche. Ça vous permettra déjà de vous faire peut-être une idée, parce que certains souvent me disent « Ah oui, t'es paysagiste, ah oui, tu plantes des pensées sur des ronds-points. » Alors comment vous dire, je n'ai rien contre ceux qui vont planter des pensées. Même que les pensées, ça se plante plus trop maintenant. Sur les ronds-points, il ne faut pas trop confondre après, parce qu'il y a aussi le travail de jardinier, qui n'est pas un métier moins noble, mais qui est différent. Le jardinier, il est plus dans le faire, vous voyez, il est plus dans le fait de planter, le fait d'entretenir, vous voyez, donc finalement c'est aussi un prolongement du paysagiste. Il y a aussi le pépiniériste qui est lui un collaborateur essentiel qui va nous fournir des plantes parfois rares, pas trop chères, de collection et qui va connaître souvent plus de choses que nous, mais il y a aussi l'agronome, le géologue, l'hydraulicien, etc. Donc vous voyez, en fait on est amené à travailler main dans la main avec beaucoup de corps de métiers différents et aussi beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de main d'œuvre qui vont nous permettre aussi de réaliser, finalement, de mettre en... de faire sortir de terre, c'est le cas de le dire, des projets que l'on aura imaginés avec plus ou moins d'entrain, plus ou moins d'inspiration. Et voilà, mais écoutez, cette petite intro parisienne pour vous retrouver aujourd'hui, pour vous expliquer tout ça, j'espère que vous aurez peut-être pu y voir plus clair dans ce métier qui paraît parfois si complexe. Aujourd'hui, le métier de paysagiste, par chance, merci mon Dieu, est protégé. Donc avant, nous étions des paysagistes, enfin des architectes paysagistes DPLG, donc diplômés par le gouvernement. Et maintenant, nous sommes des paysagistes concepteurs inscrits sur la liste du ministère de la Culture, ou l'Agriculture, je ne sais plus. Bref, donc voilà, donc c'est quand même un titre qui nous permet d'être un peu protégés, de par les études qu'on a faites, les expériences qu'on a accumulées, le savoir que nous possédons. Voilà. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous laisse sur les prochaines images de mon retour. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego! Ciao, ciao!